Écoutez, ça s'est passé chez Bruno Guillon. Non, je le disais, Virgin Radio, c'est pop rock. Voilà, on passe Nirvana, mais c'est vrai qu'on passe pas ça. Je suis désolé. Ah non, mais attention, moi je supporte. Hein. Je peux me retrouver dans des soirées où il y a du Lady Gaga. Pas mon nom. Voilà, tu vois. C'est ton problème. Celle de ça va, ça m'arrive. Oui. J'ai des amis qui aiment Mylène Farmer. Enfin, ouais, c'est la même qu'aime Lady Gaga. Non. Mais non, mais c'est ça le problème en fait. Moi j'ai raccroché. Lady Gaga, le problème c'est si tu traduis les paroles. Ouais. On s'est amusé parce qu'au bout d'un moment on se dit c'est un phénomène, c'est la nouvelle Madonna, etc. Donc qu'est-ce qu'elle raconte vraiment? Parce que bah, vous êtes comme moi, hein, quand on entend un titre en anglais, tu te souviens du refrain, en gros tu chopes 2-3 mots, mais après qu'est-ce qu'elle dit vraiment? Par exemple Poker Face. Ouais, tu vas être en boîte, tu fais pom pom pom, enfin, ouais, je sais pas. La connaissance, elle doit parler d'un cocktail qu'elle touille avec son stérilet. C'est vrai qu'elle a la classe. Mais non, alors, on écoute, hein, c'est la vraie traduction mot pour mot, c'est ça. Peux pas lire mon visage de poker. Je peux pas lire mon visage de poker, c'est ridicule. On dirait Mireille Mathieu. Elle a fait un autre hit de Lady Gaga. Ah bon. C'était le premier, ça. Dada Doudou. Hein. Ah là, bon, ça, c'était dessus. En boîte de nuit, forcément, ça fonctionne. Mais en français. Juste danse, ça va aller. Juste danse, fais tourner ce disque. Ça passe pas. Hein. C'est moi, juste danse le tourne-disque. Juste danse, je suis désolé, mais moi ça me l'a fait moins. Quoi. Elle a fait un duo avec Beyoncé, la leader des Destiny's Child, qui s'appelait Téléphone. C'est pareil, oui. Gros carton. Dans le monde entier. Est-ce que ça aurait autant marché si ça avait été en français? Arrête d'appeler, j'ai plus envie de penser. J'ai laissé ma tête et mon cœur sur le dance floor. C'est ridicule. J'ai laissé ma tête et mon cœur sur le dance floor. Ma tête et mon cœur sur le dance floor. Mais même le dernier. Hein. Alejandro. Alejandro. C'est le dernier, c'est Alejandro. Ou là, bon, c'est même plus. Ah ouais, elle a ça. Fait du Madonna, c'est qu'elle a pris le clip de Madonna, elle a fait le même, hein, globalement. C'est la Isla Bonita, en fait. C'est ça. Et donc, bah, traduit en français, Alejandro, bon, bah, ça s'appelle une barre de rire. N'appelle pas mon nom, Alexandre. Je suis pas ton bébé. Alors c'est ça. Ouais, les versions espagnoles. C'est plus c'est classe. Ridicule. Les versions espagnoles des noms, c'est plus classe que Robert, Fernand et Rose. Vous retrouvez l'intégrale sur virginradio.fr. Bruno Guillon, 5h30, 9h sur Virgin Radio.